Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Mélodie Nocturne. J'avais imaginé 1000 ouvertures de cette émission ce soir, plein d'imagination sur des extraits musicaux que j'allais vous proposer. J'avais tout imaginé, sauf ce que je m'apprête à dire. Nous avons décidé de dédier cette émission à un musicien qui vient de nous quitter. Hier matin, nous avons appris, terrassés par la nouvelle, la mort de l'immense guitariste Sylvain Luc. C'était non seulement un ami de cette émission, il avait été invité, il nous avait régalé de sa musique, mais aussi de sa douceur, de son humanité, de sa gentillesse. Et la nouvelle de sa mort nous a saisis. Il n'a pas été question de commencer cette émission autrement qu'en se souvenant de son passage, il y a quelques mois ici. C'était avec le pianiste Paul Lai. Ils n'avaient joué jamais ensemble. Qu'à cela ne tienne, faisons de la musique, m'avait-il répondu. Jamais nous n'oublierons Sylvain Luc. Guitariste, ami, artiste, trop tôt disparu, cette émission lui est dédiée. Voilà, c'était il y a 6 mois à peine sur ce même plateau de Mélodie Nocturne, Paul Lai, le pianiste, et le très, très regretté Sylvain Luc. Alors, face à cette tristesse et cette douleur de perdre un immense artiste qui avait tant à donner, il m'a fallu inviter deux musiciens qui ont fait de la joie de jouer et de partager la musique une véritable philosophie. Vous êtes les meilleurs médecins possibles. Mmh. Patricia Petitbon, bonsoir. Bonsoir. Chanteuse lyrique qu'on ne présente plus. Jacky Terrasson, un pianiste qui a fait 275 fois le tour du monde avec toutes les plus grandes stars du jazz. On ne vous présente pas non plus. Donc, je n'ai absolument plus rien à faire si je n'ai plus à vous présenter. Merci de nous avoir rejoints. J'ai une petite question, peut-être un peu naïve, mais vu l'introduction de cette émission, que vous comprendrez.
Vous dites, et l'un et l'autre, l'importance de la joie. Est-ce que la musique peut aider ? Absolument. Ah oui. Ouais. Oui, ça nous rend encore plus vivants. On est obligé de se dépasser et puis aussi de s'évaporer dans l'espace avec les autres pour se transcender. Et je crois qu'on touche à une sorte de vérité, une sorte de vérité dans le moment vraiment présent. Comment on fait pour être joyeux alors que quand même on vit des époques... C'est comment un musicien, vous savez très bien tout ce qui se passe dans le monde, mais vous arrivez quand même à avoir ce sourire, cette prestance quand vous montez sur scène. On se donne et je crois que c'est une joie qui est presque contagieuse. C'est aussi un désir de partager des émotions fortes, uniques, qui sont vraiment dans l'instant immédiat. La musique, ça peut avoir ce pouvoir presque médicinal face à la douleur, la perte, la tristesse. C'est pas que de la joie et que de la fête, la musique. C'est une exploration. En fait, c'est une exploration de l'être, je dirais de l'âme, une exploration aussi des autres, de l'humain. Ça nous place aussi, parce qu'il y a une sorte d'abécédaire dans la musique. Ce sont les notes, ce sont les sons, les vibrations, les sensations. Et donc, faire de la musique, c'est ne pas utiliser forcément la parole, mais c'est une dimension sonore qui apporte du mystère aussi. C'est une exploration, je dirais, de toute une vie. Et on va commencer en écoutant votre voix merveilleuse, Patricia. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, Jackie. Absolument. Votre parcours musical est tellement incroyable. Vous chantez de la musique baroque, de la musique moderne, vous chantez de l'opérette, vous avez de telles qualités vocales que vous êtes capable de vous couler avec une intelligence musicale exceptionnelle dans tous les styles de musique. Et on va commencer par un des ancêtres. Hein. On va commencer avec Handel, Alcina, et avec la direction d'Andrea Marcone, pour le pur beauté de votre jeu d'acteur qui est à l'égal de votre talent lyrique. Quelle merveille, à mon cœur. Quand on entend ça, nous, qui sommes des êtres humains presque ordinaires, on est bouleversés par l'émotion que vous transmettez. Est-ce que ça vous arrive à vous, tout comme à vous, d'être débordé par l'émotion ? Ah oui. Ou est-ce que tout est sous contrôle ? Non, on est souvent débordé par l'émotion avant de monter sur scène. On ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait plus. C'est comme si on devait passer dans un autre monde, une autre façon de penser. Et c'est comme si on devait retrouver une force presque infaillible, tout en, justement infaillible, tout en creusant la faille, c'est-à-dire s'abandonner totalement à la musique et à cette forme de réalité qui est,
qui est vraiment souveraine chez l'artiste. Vous aussi, vous vous abandonnez à la musique comme ça? Absolument, ou... quelquefois, j'ai ce sentiment d'abandon et d'être porté par les autres musiciens, bien sûr, et par l'instant du moment. Et c'est absolument magnifique de pouvoir lâcher prise. Et c'est dangereux, non, de lâcher prise? Bah, il faut aimer, ouais. Mais de se rendre compte après qu'on a été porté par un moment qui était un peu magique, ou émouvant, émouvant. Vous jouiez, Jacky Terrasson, ce soir au Trocadéro, donc vous étiez sur scène il y a une demi-heure. Oui. La scène, qu'est-ce que c'est la scène? Moi, je ne suis jamais monté sur scène. C'est quoi la scène? Pourquoi c'est magique comme ça, cet espace-là? Bah, justement, l'espace, c'est pas seulement la scène, en fait. C'est au-delà des murs de la scène. C'est être un centre. C'est être un centre et en même temps, c'est... si j'essaie de trouver un langage, je dirais, poétique, c'est savoir s'évaporer dans l'espace avec le son, avec la vibration, et toute cette technique du corps, parce que c'est ce dont je parle, c'est cette exploration qui est à la fois, je dirais, un microcosme et puis un macrocosme. Donc, il n'y a pas vraiment de mots, hein. C'est une expérience de corps. Mais vous avez enregistré beaucoup en studio, mais la scène, c'est autre chose, n'est-ce pas ? La scène, c'est complètement autre chose. C'est un endroit où on peut s'évaporer, se lâcher, se libérer. Quand on a la carrière de Jacky Terrasson, on a peur des fois de monter sur scène ou c'est fini on a... Non, ça m'est arrivé une fois parce que j'étais extrêmement fatigué. Et ça, j'espère que ça va durer toute ma vie, parce que c'est arrivé plusieurs fois, en fait. Et au bout de 3 mesures, toute la fatigue est partie. Et on est pris par une espèce d'énergie qui fait que le concert de 2 heures va bien avoir lieu. Et ça se passe. Oui. Vous comprenez parfaitement ce que vous disiez. Oui, un jazzman, c'est encore une autre façon de fonctionner parce qu'ils sont dans l'improvisation, c'est-à-dire qu'ils créent leur musique, ce qui est absolument extraordinaire. Il faut une liberté... d'abord... Mais elle est où, votre liberté, vous, quand vous êtes avec Handel ou avec Rameau ou avec, Ma liberté, elle est dans la capture du moment. C'est-à-dire essayer d'être en symbiose avec le son qui va naître. Mmh. Mais quelquefois, je suis étonnée moi-même d'un son peut-être qui apparaîtra laid et qui sera plus émouvant. Vous voyez, il y a toujours la brisure qui est là, c'est-à-dire qu'il faut accepter l'imperfection. Je crois que c'est ça qui est le plus difficile. Dans la vie des artistes, on a quelque chose de très important, ce sont les rencontres. Je ne sais pas, qui pourrait-on dire les deux grandes rencontres de Jacky Terrasson dans sa carrière? Betty Carter, qui m'a... La chanteuse Betty Carter. Ouais, qui m'a pris sous son aile quand je suis arrivé à New York. Et puis peut-être Art Taylor, qui était un batteur extraordinaire, incroyable, qui a joué batteur avec tous mes héros. Est-ce que je me trompe si je dis William Christie et Olivier Pie? Ah non, vous ne trompez pas du tout. Eh bien, un des deux a une question à vous poser, tellement simple qu'elle est tellement parfaite. Olivier Pie. Hello Patricia, juste une question pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi chanter? Pour moi, chanter, c'est être vivante. Et chanter aussi, c'est aussi une définition un petit peu curieuse, c'est-à-dire c'est chanter pour les vivants et chanter pour les morts. Donc il y a une dimension comme ça, que j'ai toujours eue d'ailleurs, même enfant. Je savais que le chant était une façon de se transcender et aussi d'accéder à une certaine beauté. Quand est-ce que vous êtes aperçu que vous aviez une voix enfant? Enfant, oui. J'avais une Quand voix, est-ce que vous êtes aperçu que vous aviez un don d'oreille, de main, de swing C'est pas là du art school, ça, on s'en aperçoit avant quand même. Très jeune, j'ai été attiré vers l'instrument sans savoir si ça allait être du classique, du jazz ou peut-être même de la pop. Ou je sais Parce pas. Que vous vous intéressez aussi à Fauré, à Debussy, à Ravel. Oui, absolument. Mais l'instrument, le piano, est toujours un instrument qui me fascine et j'espère que... Jusqu'à mon dernier jour, je serai en quête de nouveaux sons, de nouvelles sonorités. Alors, l'un et l'autre, vous êtes décorés comme des généraux de l'armée russe. Vous avez les Grammy, les machins, les victoires de la musique, les que sais-je encore, les disques de l'année, les chocs musicaux. Enfin, je ne peux même pas les citer tellement vous avez été récompensés à juste titre l'un et l'autre pour votre travail. Petite séquence nostalgie 1998. Une jeune chanteuse lyrique vient... se voir récompensé. Ce sont les victoires de la musique classique et il paraît que vous n'avez pas de voix.
On écoute. Ah ouais. Je suis très émue, très heureuse et surtout sans voix, ce qui est un petit peu dommage. Mais... Quand on s'entend, après avoir mené une carrière aussi prestigieuse que la vôtre, on voit les défauts, on se dit « Ah tiens, c'est marrant, c'est pas terrible, ah, non, ah, ça j'aime bien finalement ». Comment est-ce qu'on s'entend avec le temps ? Je crois pas qu'avec les années, je pense qu'il faut aussi avoir beaucoup de bienveillance pour soi. Je crois que c'est ça, on a plusieurs vies dans la vie d'une chanteuse, d'un chanteur. C'est comme une plante qu'on arrose. Et donc... Eh bien, il y a des étapes, il y a des choses d'ailleurs dans lesquelles on ne pourra plus jamais chanter. Donc je pense qu'il y a aussi un côté un peu bienveillant de l'aîné, vous voyez. On dit, ah. Est-ce que Jacky Terrasson est bienveillant avec Jacky Terrasson d'il y a 20 ou 30 ans quand il s'écoute? Vous vous écoutez peut-être jamais d'ailleurs. Je m'écoute très peu. Je préfère écouter d'autres que oui, moi-même. Tout à fait, c'est pareil. Mais si voilà. Par accident on vous met un disque de Jacky Terrasson... Non, mais alors ce qui m'arrive, c'est de même plus me reconnaître. Ah oui? Oui, ouais, ça m'est déjà arrivé. Et vous dites, ah, c'est sympa ça? Ou alors vous dites, qu'est-ce que c'est que c'est? Non, souvent je suis assez agréablement surpris parce que c'est forcément quelque chose que j'aime bien, je me repère. On parle de vos qualités vocales depuis le début de cette émission, évidemment. Et comment ne pas parler de vos qualités d'humour, de drôlerie, de présence très piquante, qu'on a toujours soulevé et souligné. On vous écoute, c'est Chochotte Eric Satie, et c'est avec Olivier Pie qu'on a écouté et qui vous demandait le mystère de la voix. Chochotte. Lorsque je suis chochotte, elle me plaît carrément. Je lui dis, êtes-vous mascotte? Mais monsieur, certainement. Alors, sans plus attendre, je veux être votre époux et me répondre et tendre. Je veux bien être vous, mais pour cela, il vous faudra demander ma main à papa. Allons-y, chochotte, chochotte, allons-y, chochotte, chochotte, allons-y. C'est quoi cette musique totalement délirante, Chochotte? Eh ben, c'est une chanson d'Eric Satie. Il y a beaucoup de chansons comme ça. C'était un compositeur extrêmement burlesque. Hein. Quand on fait une carrière, je sais que vous n'aimez pas beaucoup ce mot. Ça veut dire que vous n'avez pas calculé, je fais ça parce que ça va être bon pour ça, puis après je ferai... Comment est-ce qu'on choisit ses rôles? Comment on choisit ses rencontres? Eh bien, on nous choisit aussi. On nous choisit. C'est les rencontres, en fait. C'est le chemin. Et moi, j'ai des chemins très, très escarpés. Pas du tout, je dirais, sur une autoroute. On se dit... Et de toute façon, c'est toujours la même chose. La voix, c'est quelque chose de fragile. On ne sait jamais ce que va devenir une voix. Et vous, quand vous passez du solo au trio, que vous jouez avec Betty Carter, que vous jouez avec d'autres grands musiciens... Il y a un calcul, on se dit, tiens, maintenant j'ai envie de faire ça. Comment on gère la carrière discographique ou la carrière des... Il y a toujours des rencontres qu'on souhaite. Par exemple, moi, je me souviens avoir été très interloqué par une répétition où j'avais entendu Cécile McLaurin de Selvant. Et j'adorais travailler avec elle. Ça a été la même chose avec
Avec Charles Aznavour, ouais. Qui m'a sollicité pour faire 3 albums, tous dans des univers complètement différents, avec Cassandra Wilson. J'aime bien essayer de mettre ma musique au service d'une voix. Tout comme au service d'une image aussi. Ah, OK. Ouais, c'est chouette aussi. Ah, en fait, il y a un truc que vous aimez bien, c'est la liberté, tous les deux, c'est ça? Je me trompe? Ah ouais. Oui, ouais. Didier Sandre, qui est-ce? Ah, c'est un très, très grand comédien. Et qui a compté pour vous, je crois? Ah oui, oui, oui. Eh bien, je crois que ce soir, il a une question pour vous. Didier Sandre. Tu es une artiste qui prend des risques depuis toujours. Dans ton choix de répertoire, dans ton choix de rôle, dans ton choix de mise en scène, dans tes collaborations diverses et variées, j'ai l'impression que tu cherches à repousser les limites, non seulement à connaître ton instrument, les possibilités de ton instrument, mais de ta voix, mais aussi d'en reculer les limites et les possibilités. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça se paye, où ça vous est reproché professionnellement ou artistiquement ou même le public un peu paumé qui a du mal à suivre ces trajets-là. Je voulais t'entendre sur cette notion de risque pris. Vivre, hein, c'est risqué. Donc, je pense qu'il y a un moment aussi où on se dit... On suit sa route, on essaie, on vit beaucoup d'expériences, on explore toujours, parce que c'est une nourriture, l'exploration. Et puis aussi, à un moment, on c'est comme monter sur scène, il faut enlever ses peurs d'être jugé, parce qu'on sera toujours jugé d'une certaine manière, mais en fait, on tue personne. Ouais. On monte sur scène, on chante, en vrai, on partage. Oui, non, mais c'est ça que je veux dire. Il faut relativiser cet acte-là. Et donc, monter sur scène, être un centre, c'est toujours être le centre aussi de personnes qui sont pas forcément heureux avec nous. Donc voilà, c'est le monde, on rassemble une société aussi. Qu'est-ce que c'est le risque pour Jacky Terrasson? Prendre des risques, c'est quoi? Jouer des morceaux qui sont pas encore familiers, peut-être, mais la seule façon de les apprendre, c'est de les jouer sur scène, pas à la maison, parce qu'à la maison, on va pas jusqu'au bout des choses. Alors que sur scène, on est obligé de prendre certains risques et de se dire, là, je vais retravailler ce passage-là, cette progression harmonique, parce que je sens que je peux aller plus loin. Mais on se dit, mon public ne va pas suivre, mon public ne va pas aimer, ou ça ne rentre pas en ligne? Non. Les autres risques, c'est essayer de faire des rencontres qui ne sont pas évidentes. Moi, j'aime c'est bien. Ça, vous pensez, vous avez votre public qui ne va pas aimer, ça, ce n'est pas une idée que je vous imagine. Je ne sais pas si j'ai un public, en fait, c'est un petit peu possessif de dire ça. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on peut aussi chanter pour une seule personne dans une salle. Peut-être qu'il y a une personne qui en aura besoin à ce moment-là, très précis. Donc, je ne sais plus du tout la question. Non. La question du risque et la question du risque. Mais on risque à chaque fois. J'aimais beaucoup cette idée de... Il y a peut-être une personne dans la salle mais qui va être touchée. J'aime beaucoup ça. Oui. Parce qu'on ne joue pas pour tous. C'est Bernard Lubat qui disait ça. On ne joue pas pour tous, on joue pour chacun. Oui. Ça vous va comme définition? Mais tout à fait, oui. On vous écoute dans Gabriel Fauré, Les Berceaux, et vous êtes avec la pianiste Suzanne Manoff. D'ailleurs, vous allez très prochainement jouer à nouveau avec elle. Oui. Vous pouvez nous dire où c'est? Au Musée d'Orsay, le 21, nous faisons la voix humaine, voilà. D'une certaine manière, de Poulenc, qui est un monologue d'une femme qui est au téléphone, qui a été, on pourrait dire, plaquée par son homme. Et on l'écoute.
Patricia, vous auriez pu vous contenter de cette merveilleuse activité scénique et discographique, mais vous faites aussi dans l'Académie internationale. C'est-à-dire que vous êtes lancée dans un projet l'année dernière, un programme qui est une académie pour les jeunes musiciens. Ça se passe à Fontevraud et au Théâtre du Dôme. Oui. Est-ce que vous pouvez vous raconter, à Saumur, vous raconter comment vous est venue cette idée et qu'est-ce que c'est exactement? Ça commence le 26 avril, deuxième année. Voilà, jusqu'au 4 mai. Ben, en fait, c'est né aussi d'une amitié, d'une grande amitié avec la chef d'orchestre Héloïse Gaillard. Et comme nous avions les mêmes aspérités pour la transmission, que ça fait partie vraiment de notre... de ce côté aussi d'être libre aussi d'enseigner et d'apporter à la jeunesse un peu d'espoir, mais aussi une vision particulière de l'enseignement, puisque Vous ne parlez pas que de musique dans votre enseignement. Non, nous ne parlons pas que de musique. Nous essayons d'éveiller les académiciens aux sciences, par exemple, à l'astrophysique. Il y a beaucoup de conférences, c'est-à-dire de mettre le corps au centre de toutes les réflexions. Donc, on peut avoir une ORL avec des comédiens, un astrophysicien avec une peintre. Tout ça enrichit le musicien. Voilà. Oui, ça enrichit le musicien. Je crois que c'est important, en fait, d'ouvrir les portes pour avoir une autre forme, d'empathie aussi par rapport à notre art. C'est pas juste apprendre le solfège, savoir chanter. Ah oui. Il y a toute une sphère, et surtout dans un monde qui évolue si vite, je crois qu'il faut construire son jardin aussi intérieur, voyez, pour aller vers une autre forme d'enseignement. Bien et sûr. Je pense que une forme d'enseignement un petit peu partout. Hein. Alors, Patrick Michel est un astrophysicien de premier rang. Et il participe. Oui. Il vient causer dans l'Académie internationale. Vous allez regarder les étoiles ensemble. Et il a justement une petite question à vous poser sur les étoiles. On est bien loin de la musique. Et en fait, on est très proche. On est très, très proche. On l'écoute. Bonjour, Patricia. Je suis actuellement à Houston, à côté du centre d'entraînement des astronautes de la NASA. Et pour toi qui rêves d'aller dans l'espace, j'ai une question. Si tu pouvais chanter dans l'espace, si je pouvais t'amener très loin, alors je ne vais pas te proposer d'aller sur ton astéroïde qui est entre Mars et Jupiter, mais je vais te proposer trois destinations. Est-ce que tu préférerais chanter depuis la Station Spatiale Internationale, depuis laquelle tu pourrais admirer l'incroyable diversité de la nature terrestre, ou alors depuis la Lune, depuis laquelle la Terre apparaîtrait comme une sphère bleue avec des continents d'une couleur magnifique, ou alors depuis Mars, depuis laquelle la Terre ressemblerait un tout petit point bleu nous rappelant que notre maison est dans un espace immensément vide. Quelle serait la destination qui t'inspirerait le plus pour chanter? Voilà, je t'embrasse. Cheers. J'adore. C'est merveilleux. Je ne sais pas si on arrive à chanter dans une station ou à Mars, parce qu'il y a la poussière de lune. Hein. Moi, j'ai beaucoup lu sur les astronautes qui étaient allés sur la Lune et tout. Ils sont tous revenus un tout petit peu gaga. Hein. Moi, je dirais plutôt la station internationale. Ça me paraît un petit peu plus rationnel. Spaceship, que je regarde avec mon application de temps en temps. Je trouve ça tellement magique. Parce que Mars, ça va être on n'y est pas encore. Hein. J'ai regardé un article de Télérama l'autre jour sur Jackie Terrasson, et il disait, je les cite, « C'est le pianiste du bonheur ». Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous l'entendez? Je pense que c'est juste dû à une envie de partager, d'abord de jouer pour les musiciens avec lesquels je suis. Et il y a cette communication qui est très joyeuse, et je pense que quand on arrive, nous, dans notre bulle, à trouver ce contact, c'est contagieux. Vous venez donc de sortir un nouvel album qui va sortir, parce que nous sommes vraiment à l'avant-garde de l'information. On est dans un autre rapport à l'espace-temps, cher ami. Ça s'appelle R&B. Ça, c'est un des titres. L'album s'appelle Moving On. Moving On. Ça sort le 19 avril. Pour l'instant, il n'y a que R&B qui est sorti. Il y a deux titres qui sont sortis. R&B, Est-ce que tu me suis? Un titre qui a été repris par Camille Berthaud, à qui j'ai demandé d'écrire des paroles et de chanter l'inchantable. Alors, vous êtes connu pour aussi être capable de prendre des mélodies, soit populaires, soit savantes, soit etc., et de les transformer comme un alchimiste. Qu'est-ce que c'est cette manière de prendre la musique et d'en faire une autre musique? C'est un malin plaisir que je fais depuis pas mal d'années. J'adore sortir les choses de leur contexte
et les mettre dans un autre contexte, tout simplement. Et j'aime bien faire ça en musique, en cuisine. Voilà. La prochaine fois, on vous fait faire de la musique, de la cuisine. De la cuisine, ça. On écoute les parapluies de Cherbourg, les parapluies de Cherbourg, que tout le monde connaît, sauf qu'on ne l'a jamais entendu comme ça. Dans toutes les interviews que j'ai lues sur vous, aussi Jacques Tirasson, ça commence toujours. Il est moitié américain, moitié français. C'est ça, vous habitez à New York. Oui. C'est maman américaine. Et papa. Et papa de Dreux, presque normand. Eh bien, sur cette moitié-moitié, je crois qu'il y a quelqu'un qui a une question à vous poser, que nous avons accueilli sur ce canapé, puisqu'elle était la révélation vocale du jazz de cette année. C'est Karine Guillot-Thuram. Ah oui. Sur la question du métissage. Hey, salut Jackie. Alors on dit souvent que les métis sont moitié-moitié. Pour moi c'est une ineptie. On ne peut pas être la moitié de quelque chose en identité, ça n'existe pas. On est 100% chacune de ses composantes. Alors précisément, en quoi es-tu absolument français? Et en quoi es-tu absolument américain et ou afro-américain? Très bonne question. 100% français, via la culture musicale française que j'adore. J'adore le romantisme, j'adore les choses voilà, comme ça. Les Américains, avec le côté le plus rythmique, je pense, et puis les choses qui sont faites un peu de façon très courageuse, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. On vous écoute Love Light. Je ne sais pas si c'est le musicien français ou américain, mais à mon avis, c'est les deux. Jackie Terrasson, Love Light. Alors, vous êtes avec Kenny Davis à la basse, Alvester Garnett, formidable batteur. Oui. C'est ton trio et c'est un extrait de votre prochain programme, de ce disque qui va sortir en entier au mois d'avril. Est-ce que quand on rentre en studio, tout est prévu, tout est préparé, tout est écrit? Pas pour moi. J'essaie d'arriver, je vais dire, au moins 65% prêt, mais je laisse toujours une part de « we'll see what happens », on verra bien ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est pour le dernier disque, ça s'est un petit peu passé comme ça, parce qu'il y a même des musiciens qui n'étaient pas prévus et que j'ai invités au dernier moment, parce que ça faisait trop plaisir de les voir, notamment à New York. Il y a Camille Berthaud, vous en parliez tout à l'heure, chanteuse, comédienne, elle a tellement de talent, on ne sait plus quelle étiquette lui donner. Elle a une petite question juste pour vous. Camille Berthaud. Jackie, as-tu eu déjà un fou rire sur scène et pourquoi? J'ai déjà eu un fou rire sur scène, je ne pourrais pas dire pourquoi. Non mais là, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Je suis désolé, non, je ne pourrais pas dire. Ça vous est déjà arrivé, un fou rire sur scène? Ah oui, beaucoup, oui. Oui. En tout cas, les gens qui vous entendent chanter quand vous avez ce panache récemment, humoristique. Récemment, au Châtelet, j'ai eu des fous rires, je ne pouvais plus chanter. Merci de nous avoir amené de la joie et du bonheur, nous en avions besoin. Et j'espère vous retrouver bientôt sur ce canapé, vous avez fait honneur par votre générosité, votre gentillesse et votre talent
lumineux. Merci Jacky Terrasson. On vous retrouve en concert au Bal Blomet le 4, 5 et 7. 44, 5, 7 au Bal Blomet à Paris, dans le 15e. Ne ratez pas Jacky Terrasson. Mai, pardon. Mois de mai. Ah, c'est mai ? Oui, oui. Mois de mai. Mea culpa, mea maxima culpa. Et on vous retrouve le 21 mars au Musée d'Orsay, le 4 avril, la scène musicale. Merci. Et on retrouve le jeune musicien dont tout le monde parle actuellement, vraiment Luca Fusilli. Vous êtes violoniste. Vous avez, lors de votre premier album, Aria, soulevé des montagnes de critiques dithyrambiques. Et là, vous sortez The Four Seasons, Vivaldi. Pourquoi un jeune homme comme vous enregistre les quatre saisons ? Oui, c'est vrai que ça peut paraître curieux, mais bon, j'avais cette grande, grande opportunité de recréer vraiment une version assez unique des quatre saisons avec une prise de son très moderne, en fait, très spéciale, qui n'avait jamais été faite pour les quatre saisons, dans une salle qui est la Cavatina Hall en Pologne, qui est elle aussi une nouvelle salle très moderne, et en même temps avec le Haut Orchestra polonais également, qui est un des meilleurs orchestres baroques actuellement. Et donc, c'était vraiment une occasion que je ne pouvais pas rater. Mais on se dit Vivaldi, il a tout dit, on a déjà tout entendu. Mais vous avez écouté beaucoup d'œuvres de référence avant ? Alors, j'avais écouté quelques interprétations parce que je ne voulais pas trop m'imbiber, en fait, et me décourager également. Parce que, enfin, les quatre saisons, c'est vraiment, je pense, l'œuvre pour violon qui a été la plus enregistrée, si je ne me trompe pas. Et donc, il était vraiment question de s'inspirer un tout petit peu, voir un petit peu ce qu'ont fait certains artistes, mais vraiment en gardant la touche personnelle. Bah écoutez, moi, je pense avoir écouté 250 fois les quatre saisons, même quand j'appelle la Sécurité sociale et qu'ils me mettent en musique d'attente. Exactement. Je ne les avais jamais entendus comme vous nous les avez offerts. Four Seasons, c'est chez Sony Music. Et c'est donc, souvenez-vous de ce nom, parce qu'il reviendra nous voir très bientôt. C'est Luca Folisi, violoniste. Nous avons commencé par un hommage un peu attristé de la disparition terrible de Sylvain Luc, le grand guitariste français de jazz. Et nous allons terminer, et je vous remercie du fond du cœur d'avoir bien voulu lui rendre hommage avec votre musique et dire un adieu. Adieu Sylvain, vive la musique, cette musique qui continue et sauve de tout. Bonsoir et merci.